Des fleurs pour Elle Gordon, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Charlie Gordon, qui est pas très, qui est un peu simple, et qui accepte de servir de cobaye pour une expérience où on lui modifie le quotient intellectuel. Et voilà. Et ça commence de quand il passe les tests, et puis ça finit après l'opération. Et il le fait en parallèle avec une souris. Qui elle fait l'opération avant lui, et donc il voit l'évolution de la souris et lui il la suit. Charlie, oui, c'est une souris de laboratoire, oui, un peu plus grosse. Il est plus gros que Mickey, je crois, mais c'est une souris de laboratoire, oui. Il y a eu une nouvelle, un roman, et après je crois que Daniel Case a écrit un livre pour raconter comment cette nouvelle et ce livre avaient été importants pour lui. Enfin, j'ai lu aucun des trois. J'ai lu que l'adaptation de Gérald Sibéras. La nouvelle, c'est un journal intime. Et le monologue de Gérald se rapproche de ça. C'est quelqu'un qui parle, qui raconte. Le texte est très bien, parce qu'on a juste à le suivre en tant qu'acteur. Et c'est lui qui donne qui fait tout, quasiment. Et ça fait une espèce de courbe. C'est dans les mots aussi, ça c'est le hasard. Mais les mots que Sibéras choisit de mettre me plaisent souvent. J'avais la chance que ce soit Anne Kessler qui prenne en charge le spectacle sur le plateau. On l'a travaillé très simplement, comme ça, en discutant. On a beaucoup discuté. Puis à un moment, ça s'est fait, je ne sais pas comment dire. Ça s'est fait tout seul. Moi, j'avais une idée quand même. Quand on lit, on sait souvent. Et puis elle avait la vision d'une chose, d'un spectacle et d'un parcours. Et puis ça coïncidait parce qu'on... Et donc ça s'est fait comme ça. Ah, c'est une glissade. Ah, ça, j'aimerais beaucoup qu'elle m'accompagne longtemps, cette pièce, oui. Oui, parce qu'on peut le jouer à tous les âges, en plus. J'aurais pu le jouer il y a 10 ans. Enfin, oui. Il peut être jeune ou un peu moins jeune, Charlie Gordon. 1h20. Tout seul à gérer un texte, on apprend plus de choses que quand on n'a qu'une petite partie en charge. Et là, on apprend plus de choses sur comment les gens vivent, je ne sais pas comment dire. C'est ça qui est intéressant toujours dans un texte. Oui, ça change, oui, forcément. Celui-là plus que les autres.